Salut gang, je sais pas si je vais être du bon côté ce coup-ci. En tout cas, j'espère que oui. Je vous laisse vous Je vais être du connecter. bon côté ce coup-ci. En tout cas, j'espère. Je vous laisse vous connecter, puis J'espère que dites-moi un beau oui. coucou. Là, j'ai mis Je du vous laisse vous son, connecter, Seigneur Dieu du ciel. Hein? J'ai comme l'impression que je suis du bon bord. Regardez donc, moi, ça. Pensez-vous que ça marche? Je suis-tu du bord d'horizontal pour une fois? Dites-moi donc ça. Bonjour, bonjour. Salut, salut, gang. Là, j'essaie de le mettre sur mon iPad. Dites-moi si je suis. Hey! Yes, sir! I don't know. J'ai rien fait. Elle sait pas ce que j'ai fait, mais bon, ça a marché. Fait que, on aime ça, on aime ça, on aime ça. Je voulais juste aller vérifier, je pense que quelqu'un. Dites-moi un beau coucou. Là, j'ai mis du son. Que, oh, Seigneur Dieu. Tu sais, quand tout ne marche pas, hein? Bon, je pense que quelqu'un avait commenté de quoi. Je veux juste ajouter un nom s'il y avait de quoi pour le tirage. Je vous dis allô. Allô, gang! Je vous laisse arriver juste le temps de vérifier, parce que je ne veux pas avoir oublié un nom pour le tirage si vous avez commenté. Mais je pense que non. Je pense que tout est beau. Je pense que oui. Oh non, j'ai Je vais reparti être le du bon côté, patente. ce vérifier. Hey! Mais là, c'est donc bien le fun. Donc bien le fun. Bon, OK. Fait que c'est correct, c'était pour le tirage. Wouhou! Je l'ai. À chaque fois que je me connecte, ça me parle tout seul. Fait que là, vous entendez moi en rewind. Bon, voilà. Alors, pour le tirage, j'avais 12 personnes. Oups! Hey, c'est pas les bonnes affaires. Vous avez un scoop. C'est les. Salut Stéphanie! C'est ceux-là de la semaine passée. C'est ceux-là qui vont être tirés. Oups, 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 c'est pas grave. Tiens, voilà. Je me suis trompée. Alors, on a 12 personnes qui ont participé au tirage. Vous avez vu un scoop. Alors, je vais vous montrer ça après, à la fin du live. Et c'est parti pour le tirage. Félicitations, Sonia Bluto. Je te mets ça de côté. T'es bien chanceuse. Alors, félicitations. Tu gagnes ces magnifiques chipboards avec ces cadres. Voilà. Voilà. Bravo. Je mets ça de côté pour être sûre que tu l'es. J'avais mis ma chaise. Hey, je suis tellement contente que ça soit du bon bord. On dirait que je me comprends plus. Puis enfin, je vais pouvoir vous lire sans me faire mal à tête. Je vous avais promis, dans le fond, de faire des kits. Ben, je n'ai préparé deux pour vous. Je vais vous les présenter. Je vais vous remettre aussi, je vais vous montrer les kits qui me restent que j'avais fait la dernière fois. Je vais juste tasser mes chats. Tiens, désolée, c'était confortable, mais c'est pas le moment. Donc, j'ai fabriqué deux kits. Un kit Allô gang, j'ai pas vu tout le monde qui s'est connecté, mais je vous dis un beau bonjour. Celui-ci, c'est un kit page que j'ai fait. Il y a un peu plus de matériel, donc il va être à 25 $. Bon, je vous le savais, je suis souvent félicitations parce que je suis à l'endroit. Félicitations pour la gagnante. Bon, bref, c'est pas grave. Le kit qui est là, c'est un kit page, mais vous allez voir, c'est avec ceux-là, ces papiers-là que je vais faire mon project live. Salut Diane. Donc, dans le kit, vous allez avoir. Je vais vous montrer les papiers. C'était un kit qui était. Oups, ça a pas d'affaire là. C'est un kit qui n'était pas recto verso, donc il y a plus de papiers. Donc, je vous les montre. Ouais, ça commence par lui. Celui-ci. Celui-ci. Donc, j'en ai quatre exemplaires à 25 $. Si vous en voulez, vous me contactez en privé, ça va être plus simple parce que des fois, ici, sur le live, je ne les vois pas tous, puis je n'aurai pas le temps de les prendre en note. Ça va être premier arrivé, premier servi. Désolée, j'ai échappé. Voilà. Ce papier, yo! Papier jaune pour celles qui adorent ça. Il y a quand même beaucoup de papiers dans le kit. Je pense qu'il y en a 12 ou 13, mais ils sont pas recto verso. Donc, c'est pour ça qu'il y en a un peu plus. Très coloré. C'est tous de la même collection. Les embellissements, non, mais ça, je me suis amusée dans cette collection-là. Voilà. Et voilà.
Vous avez un acétate de Polaroid parce qu'il y avait des petits appareils photo. Une demi-page coupée de texture. Je vous ai mis des demi-pages de papier aussi de cette collection. Voilà, il est très coloré. Vous avez des mots, c'est autocollant. Ils sont en anglais malheureusement. Un paquet de fleurs. Tu sais, il y a les belles fleurs Prima, là. Moi, j'adore. En tout cas, c'est vous. À l'intérieur de ça, il y a un shaker. Tu sais, qu'on peut ajouter en rond. Je vais juste le mettre de côté. Il y a trois chipboards Polaroid. Je suis vraiment dans le thème, hein, trouvez-vous. Des papiers vélins de Polaroid et deux petits tags en vélin. Pas long, juste le présenter, c'est plus long là, pour celles qui voulaient le Project Live, mais c'est ça, ça fait partie de la vie. Hein? Salut Lynn! Il y a deux, c'est comme autocollant aussi, ça fait penser à ça, la fausse dentelle, puis des titres de Prima, des sequins, je dis jamais secret, c'est quoi? En tout cas, des sequins, trois sortes de rubans, un doré, un en chevron rose et un dentelle jaune. Ils sont autocollants, mais peut-être que c'est, t'sais, ça colle pas le siècle là, du siècle. Fait que vous devriez utiliser de la colle pour le coller. Des petits wood veneer. Hey, je suis pas si pire, celle-là. Voilà. Et dans le fond, smile, live et deux appareils photo. Donc, ce kit-là, j'ai dit kit page. Moi, je vais l'utiliser pour mon Project Live ce soir. Je prends tout le temps des restants. Je vous vole pas les kits parce que, tu sais, en fait, j'en ai fait 4. Ça part quand même vite, normalement. Donc, voilà, je remets ça là-dedans. Je mets ça de côté puis je vous montre le prochain kit. Le prochain kit, juste... Mettre ça de côté. Comme je disais, celles qui se connectent, si vous le voulez, écrivez-moi en privé. Puis je vais y aller, là, vraiment, je vais regarder l'heure que vous avez écrit, premier arrivé, premier servi. C'est bon, j'en ai 4 exemplaires, je vous les réserve, ça me fait un extrême plaisir. Je vous remets ça dedans. Fait que 4, je l'ai dit, hein, voulez-vous que je leur dise, il y en a 4. Tiens, voilà. J'ai fait un kit mix média. Tam-tadam! Moi, je l'aime bien. C'est sûr qu'il y a plus de produits qui vont vous rester. Donc, j'hésitais, mais je pense que ça va être aux alentours de 30$ aussi, 25-30$. Vous pouvez me répondre si ça vaut 30$. Vous avez un petit Magic Paint, des petites poudres de Fabrica, de la pâte à texturer. Trois tags pour faire un tag qui ressemble au mien. Un die-cut, pas un die-cut, un chipboard. Un autre chipboard, mais celui-là, il est côté or, hein. On peut faire ça avec Fabrica Décoru. Un stencil, que j'adore. Un paquet 8-8. Des fleurs. Ils ne fit pas toutes parce que c'est mix média. Vous avez le droit d'échanger de couleur. De la cordelette pour les tags, j'en ai de la blanche et de la en jute. Une fleur en métal. Les derniers, mais je vais vous... Tu sais, c'est les petites rondelles que j'ajoute en métal des fois. Il y en a un peu dans ce que j'ai dans mes mains. Voilà. Donc, il y a pas mal de métal aussi. Deux feuilles. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de produits un peu. Moi, je serais plus aux alentours de 30$, mais je voulais vous entendre avant de dire le prix. Fait que celui-là aussi, j'en ai 4. Donc, qui sont en vente. Vous pouvez m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, c'est sûr que là, j'en ai fait quelques-uns. Bonjour, Cassiope. Hein, elle veut, elle, depuis tantôt qu'elle est dans mes patentes. Donc, super. Celui-là, il m'en reste 4 à vendre. Et
dans ceux-là, là, les anciens, je vous les remontre à 20$. J'avais le kit jaune, il m'en reste un. Et le kit bleu, il m'en reste deux aussi. Vous pouvez m'écrire en privé. Sonia, c'est correct. Je te le réserve. Elle m'a écrit partout. C'est correct. Elle veut être sûre. Dans le fond, un jaune et deux bleus qui me restent aussi. Fait que ceux-là sont à 20$. Il y a un peu moins d'affaires, moins de papier. Donc, c'est pour ça qu'ils sont un peu moins chers. Voilà. Super, fait que vous pouvez m'écrire. Cassiopée n'est pas réservée. j'ai des gens qui m'ont demandé qu'est-ce que j'allais faire en Project Life. Super, il faut que Nini, je vais. Savez-vous quoi pendant que je les vois passer là ou gars, commentez puis dites-moi les. je vais Nini Scrap, tu veux un? Fait, je vais l'écrire sinon mon petit TDA, je vais être l'enfant. Fait que Mini Scrap, un jaune. Fait qu'il n'y a plus de jaune à vendre. Mini, pas Nini. Puis Sonia, je vais le réserver. Vous pouvez l'écrire là, puis si je vous oublie, en tout cas. Puis Louise, hey, sérieusement, je pensais pas que ça partirait vite demain. Fait que Mini Scrap, super. Désolée, c'est plus long le temps que je prenne ça en note, mais au moins, vous allez avoir un. Alors, plus de kit jaune. Sonia, plutôt un kit rose. Là, j'ai quelqu'un qui m'a écrit en privé. Joanne, un bleu. Là, chicanez-moi pas si je fais des fautes dans vos noms. Fait qu'il me reste un bleu. Donc, voilà. Qui? Un bleu? Oui, Joanne, c'est pris. Le minou, non. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé. Je le vois pas dans mes messages. Peut-être, je veux juste pour pas le manquer, mais bon, je vais vous montrer un peu. Moi, j'ai dit que je ferais du Project Life avec le matériel du kit. Je vous écris en privé. Oui, pas de problème, vous. Il m'a fait vous voyez. Cassiopée n'est pas à vendre. Je vais aller voir mon message pour être sûre d'avoir bien répondu. Sonia s'est répondu, c'est correct. Puis, pour l'autre, juste pour être sûre, parce que je veux pas que... Là, non, non. Super, Louise, dans le fond, c'est Louise hein, que j'oubliais. Merci, Louise, d'écouter. ton kit, oui, c'est bon, je te mets ça de côté, Louise, pour le kit à 25$. Super, gang! Donc, il me reste un kit bleu, deux kits roses et quatre kits mix média. Mais vous pouvez me répondre quel prix vous le mettriez. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de produits. J'espère que ça n'a pas bugué. Mon chum est en train de m'appeler. Super. Fait que là, Cassiopée, elle veut bricoler. Fait que qu'est-ce qu'on lui fait faire? Étonnante et dans les jambes. Bon, voilà. Fait que pour le reste, là, je devrais être correct. Donc, il me reste deux kits roses, un kit bleu et quatre mix média. Mais là, c'est parti pour le Project Live. Puis, à ce moment-là, mon truc a lâché. Mon chat est à côté dessus. Entendez-vous pareil? Oh, Seigneur! Je te dis, ces chats-là. Elle était comme à côté, elle regardait la fenêtre. Bon, voilà. Fait que là, je me suis mis des embellissements un peu comme dans le kit. Des wood veneer. Je me suis mis ça comme ça. J'ai gardé, tu sais, le haut des pages ici. Dans le fond, je me suis gardé ça. Bonjour, Bibiane. Pour des fois, je me les ai coupés pour me faire des bouts. Dans le kit, il me restait comme quatre papiers de la collection. C'est une collection Amy Tangerine. Je me suis dit que j'allais peut-être prendre ces petits bouts-là. Fait que je vais les mettre de côté. Ou la bande de photos. Des fois, on ne sait pas. Je me mets ça de côté aussi. Puis, j'avais des retards qui me restaient de ceci. Super! C'est l'invasion. Oui, c'est toujours l'invasion. Est-ce que tu trop croche mon truc? Ça a comme lâché. Hein?
En tout cas, au moins, c'est en l'horizontal. Wouhou! I don't know ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Salut, Lucie! J'ai aussi, pendant que je vous montre ça, dans le fond, j'avais une couple de cartes Project Live qui étaient dans un des papiers que je vais peut-être utiliser. Puis, des retailles. Voilà, vous allez vous rendre compte que je vais utiliser des poinçons. Peut-être que je vais utiliser des stencils, je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. Voilà. Fait que là, c'est sûr, quand on fait du Project Live, moi, j'utilise... Regardez, quand, comme je vous disais, ça se peut que c'est pas super autocollant dans le kit, mais tu sais, on a de la bonne colle, là. De toute manière, quand c'est de la dentelle, moi, j'aime mieux le recoller que... parce que c'est moins autocollant. Est-ce que... Ouais, dans du Project Live, moi, j'utilise tout le temps des 4x6 et des 3x4 pour me faire comme des albums. Je vais aller chercher mon album pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Soit que je me fais, des fois, là, je me fais comme des doubles pages. Ou soit que j'en fais juste 4. Si je dis façon, Cindy, c'est que je vais utiliser beaucoup de mix média dans mes trucs. Puis, je vais travailler en petit. Oh boy, c'est mon ex, on enlève ça. Je m'en occupe. Bon. C'est sûr, sortir ces vieilles affaires. Hein? Celle-là est belle, par exemple. Donc, voilà. Tu sais, on peut s'amuser vraiment à venir découper. Alexandra, je sais pas si elle regarde, Alexandra Caron. Dans un cours que j'avais fait, on avait tellement découpé des petits bouts, des petits tangs. Fait que là, hein, des fois, je fais travailler les gens. Ah, t'es là, Alex! Super! J'avais pas vu tout le monde qui était là. Cet album-là, c'est mon album de Mix Media, pas de Mix Media, mais de Project Life. Donc, voilà, je vous montre un peu des exemples de comment je travaille ça. Fait que là, on va s'amuser en couleur. Mais tu sais, j'utilise vraiment des petites étiquettes, puis j'avais fait une page comme ça. Ouais, oups, c'est mal mis. Voilà. C'est un album que j'avais fait qu'on va faire. Fait que dans le fond, là, ce que je voulais vous expliquer, c'est que j'utilise des pages comme ça ou des 3x4. Celles qui font des ATC, c'est pas la bonne grandeur, mettons, là. Mais en tout cas, bref. Fait que là, moi, c'est sûr que je vais m'amuser à en faire comme 2. Peut-être 6. Qu'est-ce que vous en pensez? On est-tu capable d'en faire 6? Sûrement. Mais là, je vous ai pas entendu. Le kit Mix Media, il vaudrait comment, selon vous? Avec tout le matériel qu'il y a dedans. J'aimerais ça avoir votre idée. Parce que moi, pendant ce temps-là, je vais choisir mes petits papiers. Fait que là, je viens d'en faire 6. Mais, c'est comme, je vais m'amuser dans mes papiers. C'est jaune puis orange longtemps, hein, pour moi, ça. Oh, je suis pas sûre. J'aime ça. Ouais, c'est un papier que j'avais comme en double, je pense. Bon, bref, ça t'arrive. Je suis pas sûre que je vais prendre ça. Je vais peut-être les faire parce que j'aime pas l'orange. Puis ça, c'est trop écrit gros. Ouais, OK. ATC, ben c'est des Project Life. ATC, c'est plus que 3x4, un petit peu. Fait que moi, merci, Joanne. Fait que dans le fond, j'étais correcte avec mon 30$. Ouais. Les ATC, dans le fond, c'est les gens échangent ça. Caroline, tu trouves que ça vaut 25, toi? Hey boy! t'es pas chérante. Donc, celle-là aussi, je l'avais deux fois. Je fais des blagues, hein? Je vous demande votre avis, mais je devrais arrêter de commenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est quoi ta question? C'est le montant que vous pensez que ça vaut. Donc, ça, ceux-là, je les trouve belles. Puis, je veux vraiment y aller en couleur, mais avec du mix média, puis un peu avec les papiers qu'on va ajouter, que je vais ajouter. Bon, ça y est, il y a une bataille de chat en arrière de moi. Ouais, fait que là, c'est sûr que je veux peut-être y aller avec celui-là. Merci, Sarah.
4 par 6, hein, qu'on avait dit. Non, 4 par 6. Je vais me faire... Bon, mon petit chat a fait sa tanante. Comme je disais tantôt, je vais faire mes cartes. Comme ça, c'est une bonne façon de faire ce qui nous plaît. Puis là, j'y vais dans le noir et blanc. Puis, ouais. Je suis sûre que j'ai la bonne grandeur. 3 par 4. Super. Comme ça. C'est sûr que... Bon, finalement, j'ai coupé dans le beurre. C'est sûr que dans le kit, là, tu sais, il y a quand même un stencil, il y a quand même un pad de papier. Il y avait une coupe de patente, donc c'est pour ça que je trouvais que ça valait 30$. Ce que, d'habitude, on retrouve pas nécessairement dans des kits. C'est tout le temps des échantillons. Donc, c'est pour ça. Voyons, seigneur, je vais couper le petit bout. Mais ils sont pas 4 par 6, mettons. Puis, c'est pour ça. Allô, Lise! Voilà. Bon. Alors, j'ai mis 6 cartes que j'ai mis de côté. Je le sais que c'est noir et blanc, mais je veux ajouter des affaires avec un pencil, la pâte texturée. Désolée pour mon chien. Je pense que mon chum vient d'arriver. Salut, Dominique! Donc, je vais utiliser un stencil qui fitterait avec tout ça. Donc, voilà, j'ai pris un stencil de Fabrica Décorue. Comment je fonctionne pour faire un lien vu que c'est une double page? Je vais déjà les placer. Ouais, déjà, ça m'énerve. Il y a du rose. Allô, Janie! Ouais, je vais déjà les placer pour qu'ils embarquent aux endroits que ça me le tente. Puis, comme ça, moi, je vais m'amuser sur les 6 en même temps pour faire un lien dans mon... dans mes affaires. Voilà, je pourrais utiliser comme un masking tape peut-être pour... Parce que là, je vais venir faire du stencil, mais dans celui-là, comme ça. Ah, ben peut-être lui aussi. Donc, comme dans le milieu, je vais pouvoir aller me faire un petit jeu là-dedans. Fait que là, c'est mon petit truc. Masking tape, ça brise rien. Puis, ça met nos choses égales. Vous voyez, mes cartes sont pas égales. Elles sont un petit peu plus petites. Hey, mon chien m'énerve, mais m'énerve souvent. Hein. En tout cas, je vais le mettre en haut, puis je vais sûrement recouper. Hein. Ouais, mon chum a décidé qu'il allait échanger de quoi au Walmart. Il est patient, mon chum, hein? Ben oui, il est patient parce qu'il sort avec moi. Donc, j'avais posé... Hey, sérieux? Chut! Tais-toi! J'ai ressorti un chat, hein, tantôt. Fait que peut-être qu'il a réagi. Ça, c'est une petite vache. Non, peut-être. Oh, je sais plus. Viens là! Peut-être qu'il avait arrêté. C'est peut-être... Oh! Hop! À gosse à temps plein. Donc, voilà. Stencil, je vais prendre la pâte à texturer qui est loin. Après qui tu jappes? Hein? Oh, tiens, voilà. Qui s'est ennuyé? Ah, de mon chum? Ben oui, c'est sûr, sur sûr. Ils sont tout le temps prêts. Donc, ma pâte à texturer est à la fin. Fait qu'on va sûrement
la finir et en prendre un autre. Donc, j'y vais vraiment n'importe comment, dans le sens que je veux faire un lien entre les deux. Fait que là, oui, j'en mets beaucoup, contrairement à d'habitude, mais c'est pas sur toutes les mêmes cartes. Donc, on vient faire un lien, toute la gang ensemble. Oui, mariage, oui. Comme son frère, ouais. Il est tannant, hein? Ah, oh, c'est si beau des coqueurs, mais si tannant. Non, non. Moi, j'adore mes cocos, mais... sont tannants. Mettons que j'ai mis aujourd'hui en photo Hope qui se prélasse au soleil. Elle fun quand elle dort. Là, entendez-vous, j'ai laissé traîner une boîte pour mes chats. Mais c'est qui a défait? C'est mon chien. Je vais sécher un petit peu puis je vais utiliser un autre stencil. Je crois pas. Je te dis, c'est tes chats et ses chiens. Ouais, Oreo, il est si fin. Je l'ai essuyé, mais c'est un masking tape. Ouais, je vais me prendre un autre stencil pour faire un mix des deux parce que ça n'a pas fait assez. Ça fait drôle hein, d'être à moitié collé. Ouais, un ski, ça serait quelque chose aussi. J'ai failli avoir un pomme ski, hein, mais... Bon, autre histoire. Hey. Voilà, c'est séché. Je vais me choisir un autre stencil. Pour ce coup-ci, j'aimerais bien ajouter quelque chose de très gros. C'est une compagnie, ça fait longtemps que j'ai ça, je sais plus même plus si elle existe, Celebrity, j'avais pris ça sur Mix Media Place. Salut Brigitte! Peux-tu mettre une photo de ton coqueur? Oui, mais en fait, j'en ai deux, mais je peux pas mettre là, parce qu'en live, ça se fait pas. Mais oui, en fait, tu peux aller voir, j'ai une page Facebook, Les Coqueurs de Cindy. Et il y a plein de photos de coqueurs. Le monde sont sûrement tannés des voir. ça fait 14 ans que j'ai des coqueurs, dans le fond. Ça a toujours été ma race de chien. Voilà. Je voulais que ça soit plus massif un peu. En fait, je voulais vider mon pot de pâte à texturer. Vous pouvez prendre n'importe quel stencil. Là, j'ai pris ceux-là. Puis. Pourquoi les chats aiment les affaires en plastique? Hein? Je sais pas. Ils vont tout le temps sur tout ce qui est emballé dans mon atelier. Ils sont drôles. Donc, puis, voilà, je vais porter ça au lavabo et je reviens. Une fois, c'est calme. C'est rare hein, chez nous que ça soit calme demain. voilà. Tout ça, je vais faire sécher un petit peu. Puis là, on va s'amuser. En fait, Lise, on peut rajouter de l'eau, mais c'est avec de l'eau. Salut, Émilie, si c'est avec de l'eau, ça marche pas, ben, elle est finie. On la jette, malheureusement.
Mais souvent, c'est pour ça qu'il ne faut pas en acheter des quantités industrielles parce que si on n'en fait pas beaucoup, mais ça sèche et on ne les a pas utilisés. Donc, c'est sûr que j'ai le goût de m'amuser en couleur parce que, voyons, j'ai pris noir et blanc parce que je voulais vraiment partir de noir et blanc. En fait, je voulais faire un kit noir et blanc, mais j'ai pas eu le temps. J'ai quand même fait deux dans ma journée. C'est quand même bon. Donc, c'est ça, je pense que je vais m'amuser. Il y en a beaucoup qui m'ont dit de prendre les poudres Lindy. Dans le papier, il y a du jaune, il y a du bleu. Ça, j'ai pris les Flat Magical. Les flats, vous savez la différence entre les autres, c'est qu'ils sont flats, ils n'ont pas d'effet de brillance dedans. Donc, je vais y aller avec du rose, jaune et... Il y a du turquoise, mais il n'y a pas de mauve. Hein? Et turquoise. Bon. Donc, les couleurs sont là. Je vais m'amuser un peu. J'ai pas mis de gesso transparent. Moi, j'en mets pas. Il y en a qui en mettent. Allez-y vraiment à votre guise. Donc, je vais utiliser le jaune en premier. Salut Catherine! Je pourrais sécher à faire embosser. C'est juste moi, j'aime pas le bruit. Puis ça gondole trop. Mais elle est séchée, là. Donc, moi, j'utilise les poudres Lindy avec un pinceau. Puis je saupoudre. J'ai pas de l'air d'en mettre, mais quand je vais mettre de l'eau, il va en avoir. Ce que j'aime moins des fois, c'est quand si on en met trop, ça va faire comme les bruchots. Quand on met de l'eau, ça va faire des pigmentations de couleurs qui sont moins plaisantes. Fait que souvent, je vais mettre mon spray plus proche pour voir l'effet. Encore une fois, je me suis amusée à faire un lien. Oh, je pensais qu'il m'avait mis là. Avec un lien avec en haut et en bas. Ça va être le fun. De jouer avec. Hey, le chien, tu peux-tu arrêter? Je pense qu'elle s'ennuie de vous autres. D'avoir de la visite, peut-être. Salut, Marie-Jo! Donc, voilà. Là, c'est un carton qui est d'un côté. C'est peut-être un carton qui va moins bien réagir avec l'eau. On va voir. D'habitude, je laisse sécher à l'air, mais durant les lives, malheureusement, je veux pas vous faire perdre tout votre temps. Fait que là, le bon Dieu m'a écouté, comme si j'étais croyante, parce que, enfin, je suis à l'horizontale, mais fouille-moi ce que j'ai fait. Mais je comprenais pas ce qui s'était passé. Fait que, à cause de Facebook, je vais être rendue croyante. Salut Martine, t'as eu le temps à venir, ta formation est finie. Hey, fait que là, il faut que je vous parle de ma vie personnelle un peu. J'avais le petit nez qui coulait, j'avais mal à la gorge, puis là, moi, vous savez que je travaille dans un service d'urgence, fait que là, j'ai pas le choix d'aller faire l'espèce de test. Ben, savez-vous quoi? Je suis correct. Pio! Yes, sir! Fait que, mais bon... By the way, ça fait deux fois que je fais le test du COVID. Fait que, comment je pourrais dire en étant poli, mes deux narines, ils ont eu mal. C'est vraiment pas agréable pour le nez, hein? Fait que, allez-y juste en dernier recours. Je te dis. Puis là, ben moi, lundi prochain, l'école, ça recommence. Ben en fait, le 11 mai, les enfants vont rentrer. Mais lundi prochain, je rentre à l'école pour... ouais, c'est Lise. Oui, pas de virus, c'est super. Ouais, fait que là, j'ai hâte de voir ça va être quoi nos mesures. Moi, en fait, je suis contente de rentrer. Fait que je suis peut-être un peu bizarre, là. Mais bon, que voulez-vous? Il n'est pas si pire le papier. C'est plus mon tapis en arrière. Ou la guerre des chats en haut et des chiens. Fait que... Bon. Je vais m'amuser avec le rose. C'est sûr que des fois, ça fait... Tu sais, ça a comme fait beau ici, là. Mais il y a des fois qu'on... Ça joue puis ça fait moins beau. Ça va faire du orange aussi parce que j'ajoute du rose.
Fait que c'est pour ça un peu que j'ai mis de la poudre embossée pour venir jouer avec. Hey, sérieux, ils sont vraiment tannants, ils sont en train de jouer ensemble. Fait que ça paraît-tu que j'aime mieux le rose que le jaune? J'en mets plus un peu. Mettez de la musique si vous êtes tannés d'entendre mes chiens japper puis jouer. Fait que celle qui voulait me voir faire de l'aquarelle, ben on peut le faire sur du Project Life avec des poudres Lindy. Ça vient faire des belles tâches. Tu sais, on dirait que je fais l'Asie, là. Me trouve drôle, moi, là. Celle qui le fait en même temps que moi, je vais-tu trop vite? Avez-vous le temps? C'est-tu correctly? Bon, une belle chanson, je danse en même temps parce que mes chiens m'énervent. Si on utilise un essuie-tout puis qu'on essuie, ben on vient de perdre un peu la pigmentation. Donc, c'est moins trippant. L'idéal, c'est de sécher. Je sais pas pourquoi qu'elle jappe de même. Je parle d'une idée à mon chum d'aller... Moi, j'aime pas le genre. C'est de la poudre, Martine. La poudre à pigments. Ce sera pas long, je vais aller voir pendant 2 secondes. C'est pas qu'elle a. Hey! Ici! 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 C'est moi. En fait, elle ajoute du gaz. C'est ça, un chien! Donc, c'est ça, comme je disais, quand on prend des essuie-tout. Désolée, elle m'énervait. On vient enlever la pigmentation, regardez. Ça, c'est pas un essuie-tout, c'est une guenille, mais on vient enlever l'effet d'aquarelle. Hein, sérieux, elle m'énerve vraiment, désolée. Du Project Life, c'est des cartes que des gens vont utiliser, Martine, pour montrer leur vie. Il y en a qui font ça par jour, par mois. Vous autres, le style qui est en forme, là, vous faites ça comment? Dites-moi donc ça. Mettons là, que je prends lui. Il n'est pas branché. On va voir si ça va sécher plus vite. Voyons. Seigneur, c'était loin, mon fils, là. Donc, celles qui font du Project Life, là, écrivez-moi donc qu'est-ce que vous faites au mois, à la semaine, au jour. Puis Brigitte, tantôt tu demandais, moi j'aime moins le faire embosser parce que des fois ça surchauffe. Ouais, pour un voyage, hein, souvent c'est ça. Un journal, oui, ça pourrait être utilisé. Ouais, ouais, ouais. Mais du Project Life, c'est le fun à faire, là. Bon, moi, j'aime bien ça. J'aime ça ce que ça fait ici qu'il y a du orange. Dites-le pas, là, j'ai dit que j'aimais l'orange. Page par mois, à cause de mes mains, je fais au mois. Ouais, de tes 50 ans. Crime que tu parais pas 50 ans, Sonia. Mais bon, hein? Je te dis, moi, j'aimerais ça ressembler à Sonia, mais que j'aille 50 ans. Je vous le dis. Fait que là, je fais comme un fond. Oui, mais c'est ça qui est le fun du Project Life. Hein? On pourrait faire une page pleine, faire des petites cartes. C'est vraiment agréable. Bon, fait que là, comme on va rajouter la petite couleur turquoise, on va en remettre un petit peu. Oui, Project Life pour les vacances, souvent, c'est sûr que si on est confiné, il n'y aura pas grand-chose à mettre dedans. La cour. OK.
Je suis plate, hein? Donc, je refais la même étape avec le turquoise. C'est sûr que hein, j'ai des petites préférences de couleurs. Puis, là, ça a comme fait une grosse tache, fait que je le changerai. J'ai hâte de voir. Mais tantôt, je vais en rajouter aussi. Regardez, c'est ça que je disais, là, les petits picots, là, quand je ne tripe pas tout le temps. Hein, puis regardez, tu fais, c'est supposé être turquoise. Il est bleu, pas pire. Mais bon, ça va être beau pareil, mais... Tu sais, il est supposé être turquoise, mais on le trouve... Là, il est turquoise, là, il est rendu bleu. Bon, un dernier coup de séchage. Puis après ça, on va être prêt pour faire autre chose. Un album. Vous commencez avec quoi? Un album. Oui, c'est un album. Ça se vend aussi en 12-12. Déjà des pochettes pour enfants. Il y a des petits. Il y en a vraiment de toutes les sortes, là. Non, c'est long, séché, mais on n'a pas le choix. Tu sais, j'ai mis la même poudre hein, partout, puis elle n'a pas réagi de la même façon. C'est ça qui est plus tannant des fois que les poudres. Les poudres. Salut Lorraine! Fait que là, vous avez bien compris que si je recommence à travailler le 4 mai, ben je vais essayer d'avoir du temps. Un peu. Mais ça se peut que je sois capable de faire moins de live. Mais tu sais, si je fais moins de live, c'est que le confinement finit. Salut, Lauriane! Oui, je sais, mais ça a fait bleu, pas rose, en tout cas. Tu sais, ici, on voit du violet, mais le bleu, il était pas égal partout. C'est pas grave, ça fait beau peur. Puis là, je vous dis de pas faire ça, mais moi, je suis pas patiente. En live, je suis pas patiente. Ouais. Le 11, pas le 4. Oui, mais moi, je rentre le 4, Martine. En fait, à partir de lundi, nous, on rentre pour préparer les murs. Je sais pas quoi faire. Sûrement pour faire des affaires. Ils vont nous le dire à la prochaine réunion. Mais c'est ça. Moi, je rentre le 4. Les enfants rentrent le 11. Puis c'est ça, puis je travaille au foyer aussi, fait que ça changera pas la donne. Ça se peut que je prenne pas tout ce qui était dans le kit aussi, parce que on dirait que le or fit moins aujourd'hui avec ce que je fais. Voilà, c'était un peu séché avec ma patience d'ange, trouvez-vous? Salut Corinne! Bon, une attaque de chat. Attendez. Oh non, Seigneur. Hé! Lâche-les. D'habitude, mon chum s'en occupe hein, durant les lives. Fait que là, je passe mon temps à aller gérer les animaux. Désolé. Oh, mais non. Attendez, je vais aller chercher le chat. Ça va être pas si pire. Pauvre petite Cassie. Pas Cassie, mais ça, c'est Chitoli, regardez. Comme un fin, elle. Mais là, elle se faisait attaquer par le chien. Bon, c'est une petite pause chat. Voilà, madame. Faut redescendre. Elle va pas remonter. Bon, voilà. Fait que ça, c'est en train de sécher. Je me disais qu'on allait regarder qu'est-ce que j'allais mettre, puis je vais peut-être prendre des petites photos pour embellir le tout. Si on est habitué de mettre des flammes en Project Life, j'en mets moins. Faut pas trop que ça soit épais. Puis, tu sais, on pourrait mettre des photos de ce grandeur-là. Là, ça, c'était les photos d'avant-hier. Mais je vais y aller dans des petites photos colorées parce que le reste, c'est noir et blanc. Puis, je vais essayer de mixer les couleurs. Par contre, regardez, on va aller en voyage. Ça se peut bien que ça soit ça. Salut, Joanne!
J'en mettrai pas ici. Je vais en mettre deux en haut. Ou je vais en mettre en bas. Je le sais pas. C'est sûr que je vais y aller dans le turquoise. Je vais y aller dans le rose aussi. Je vais m'en mettre quelques-unes de côté. Ça se peut que je ne prenne pas toutes. Vous me connaissez. C'est à la même place. Hein? Bon, c'est un voyage que j'avais fait à Cancun. Ouais, oui, oui, mais en fait, durant les lives, c'est pas les chats qui sont tannants. Ben, oui, puis non, c'est le chat. En fait, c'est Hope, là, elle comprend pas que c'est pas un jouet, les chats. Fait qu'elle passe sa vie à gosser dedans. Ouais, je pense que ça va être celui-là. Donc, elle est vraiment tannante avec mes chats. Un jour, elle va s'assagir. Ah, un chiot, c'est un chiot. On va essayer de voir. Et Louis-José Hood, non? Pourquoi j'ai ça? Peut-être des petits poissons. Bon, mais là, j'ai sorti beaucoup trop de photos pour ce que j'ai à faire aujourd'hui. Sérieux, là, ils font un vacarme incroyable. Les entendez-vous? Ouais. Mais non, c'est tous des voyages que j'ai faits. Voyons, Martine. Voyons. Tu me connais mal. Ben non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, OK. Super. Fait que c'est sûr que ces deux-là, j'ai le goût de les mettre de ce côté-là. Mais après ça, je suis pas sûre que je vais en mettre en bas. Fait que je vais les mettre de côté. Si j'en mets, ça va être les poissons, d'après moi, qui vont fitter avec mon voyage que j'avais fait où? À Cancun. Je ne sais pas où. C'est pas vrai. C'est où, ça, ces places-là? Sandra, es-tu là? Sandra est là, va nous le dire. Sandra, c'est une agente à chambre de voyage. Elle devrait savoir tous les pays du monde, voyons. Puis, je fais des blagues. C'est pas vrai. Salut, ma tante Dan. Tante Dan, on recommence l'école. Wow! OK, bon. Je suis drôle, drôle, drôle de même. Je vous montre comment j'ai fait ça. C'est pas compliqué. J'ai pris des poinçons. Là, j'en ai plusieurs grosseurs parce que je veux m'amuser à faire... des poinçons. Je pense que c'était un et... T'as un peu, je vois pas clair. Un et un quart que j'avais pris. Puis là, les deux autres que j'ai, c'est des un pouce, puis un trois quarts. Voilà. Fait que là, c'est sûr que moi, j'ai le goût de venir mettre un petit peu de couleur derrière le tout. J'aurais aimé que ça soit... un autre que orange. Fait que je vais enlever l'orange. J'ai-tu quelque chose contre l'orange, je pense. Puis elle était pas égale, ça m'énervait. Bon. Donc, c'est sûr que cette bande-là, je vais l'utiliser. Je vais la rapetisser un petit peu. Puis, je vais utiliser un petit côté comme ça. Je veux pas le rond au complet. Je veux juste un petit côté. Vous voyez encore hein, quand je suis là. J'étais concentrée à pu voir ce que je faisais. Je veux juste un petit côté de texture qui est plaisante, mais je veux pas nécessairement toute la mettre. Là, c'est sûr que c'est pas encore sec. Je vais aller sécher un petit peu. Même que je vais couper encore un peu. Fait que tu sais, c'est vraiment de s'amuser avec des petits bouts, hein. C'est de la minutie. C'est pas ma force, la minutie, mais bon. Je me donne la peine pour vous autres. Puis là, soyez indulgente. Ça faisait très indulgente. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait du project. Salut Louise! Donc, je m'étais mis aussi de côté des petites bandelettes. Je veux aller jouer avec du turquoise. Je disais que ça me manquait. C'est sûr que je ne prendrai pas la couleur orange. J'ai souvent les mêmes bandelettes.
J'ai une turquoise au moins, rose, je suis pas sûre. Ça se peut que je la prenne tantôt. Celle-là est quand même pas... Bon, super. Donc, j'ai le goût de venir faire de la texture pour venir mixer tout ça. Donc, voilà. Là, je voulais mettre cette photo-là. Adossée. Vous savez, même en Project Live, je peux mettre des petits bouts de papier un peu partout. Donc, ici, cette photo est plus verticale. Hey, j'ai de la misère avec mes mots. Fait que là, je peux aussi y aller de ce sens-là ou de l'autre sens. Puis, voilà. Je sais pas, hein? C'est relaxant. J'ai pas pris mon café. C'est pour ça que je suis trop relaxe pour vous. J'irai pas, hein, je vais les changer de couleur, ceux-là, parce que j'aime pas ça qu'ils soient brun. Pas brun, mais en bois. Puis, je vais venir utiliser ces deux-là, c'est sûr. Peut-être pas le jaune, me connaissant, mais bon. Donc, je vais venir faire un rappel de rond avec les petits ronds. Ils sont pas obligés d'être égales, mais ça paraît pas vraiment la différence. Ouais. J'essaie de faire un rappel de ce côté-là. Mais tu sais, on le voit pas beaucoup, hein, l'effet rond. Le but, c'est... Hey, sérieux, mon chien, là, je la vendrais. Le but, c'est un peu caché, puis de faire des textures, mais pas nécessairement toutes pareilles. Avez-vous des questions à date? Ça va-tu bien? C'est-tu correct? Comprenez-vous comment je marche dans mon Project Live? Vous êtes silencieuse. Ça fait longtemps que j'ai posé une question. Ça fait bien que je vois. Je pose des questions, un peu. D'habitude, je prends la colle de Fabrica Décoru, mais là, j'ai comme le goût de pas me battre avec le pot. Donc, je prends ma petite taquiglou normale. Je vais y aller vite parce que je veux mettre lui entre. Comme ça. Puis, ma photo va aller ici, comme tantôt. C'est parfait. Hein, j'ai comme l'impression d'être détendue. C'est bizarre. Là, je suis habituée hein, de jouer avec les des broches. Là, je peux pas faire ça. Je vais y mettre celui-ci. La colle là, va devenir transparente après. No stress. Ouais, la taquiglou, là, elle va un petit peu plus vite. Le pot, hein? Tu sais, c'est vraiment... Moi, je m'amuse vraiment avec les textures pour jouer dans le Project Live et tout ça. Cassiopée s'en vient. Je vous le dis, là. Je donnerais mon chien, en ce moment. Je pense que mon chum a oublié de fermer le garde-robe. Fait que là, ils sont en train de faire Bagdad dedans. Ça va être le fun. Ouais, pas de café, relax. Mais là, je travaille demain soir. Puis, je voulais comme pas trop y croche. Je l'ai comme pas trop couché tard. Ouais.
Je vais couper lui. Je vais mettre du jaune, gang. Est-ce qu'on peut prendre une photo à la place d'un de tes carrés à la décorer? Et la décorer? Ben oui. Oui, oui. En fait, Project Life, là, c'est vraiment de s'amuser avec ce qu'on fait là, en général. Fait que oui, oui. Excuse, je lis pas vite, hein. J'ai lu comme un illettré. Oui. Il y en a qui vont prendre des grandes photos, les décorer. Il y en a qui vont vraiment s'amuser avec tout ça. Tu sais, d'habitude, là, j'en mets hein, de l'épaisseur, mais là, il faut que je me calme le nerf. Tu sais, ça va quand même assez vite à faire. Puis là, je vais aller m'amuser à faire cela en bas. Tu sais, ici, là, on pourrait juste écrire des affaires. C'est pas nécessairement de mettre des photos. Moi, souvent, je vais utiliser la texture. Je vais utiliser les rubans, les trucs que j'avais mis de côté pour faire un rappel. Mais tu sais, au moins, mon élément central est là. Donc, je voulais faire ça. Là, c'est sûr. Oui, il y a un cheveu. Écoute, c'est pas compliqué, hein, du Project Life. Moi, tout est simple dans la vie, à part ma vie. C'est drôle, là. Donc, je parlais de titre, là. Ceux-là sont le fun. Mais ça fait You and Me. Hein, mais oui, moi et la plage. Sérieux. Je sais pas si c'est... Serait beau ou pas, parce que c'est sûr que ça veut moins dire de quoi. Mais bon. C'est, mettons, Love Story, là, pour aller s'habiller après ça, de ce bord-là ou là? J'ai comme un goût, là. Voilà, je suis vraiment en amour avec la plage, gang. Fait que c'est super le fun hein, dans le kit, là, vous allez les voir. Ils sont super trippants à travailler, ils se collent super bien. Je sais pas, je vais pas utiliser lui ici. J'ai collé mon cheveu, hein. Vous l'aviez-vous vu? C'est peut-être trop blanc, trop... ouais, peut-être pas. Bon, mets ça de côté, Cindy, pas pour le moment. Bon, voilà. Je pense pas rajouter des photos. Il y en a en masse de deux, à moins que je change d'idée, parce que vous savez que je peux changer d'idée en 2 secondes et quart. Ah ah! L'homme est arrivé, fait que ça va être plus tranquille, gang. Parce que les chiens, ils sont contents. Entendez-vous ça? En tout cas, bref, c'est à moi les chiens, mais bon. Je pense qu'ils aiment plus mon chum que moi. Je sais pas s'ils m'achètent un cadeau chez Walmart, ça serait le fun. Je dis ça de même. Hein. Il est crampé. Oh, je te dis, c'est une dia. Oui, les poissons sont super beaux. Effectivement. Hey, faut pas que tu parles. Tout le monde t'entend. Admettons qu'on chante les poissons gigotes. Oh non, c'est assez. Puis là, Dexter, il fait ses vocalises en arrière parce que là, il y a eu une femelle pendant une semaine. Puis là, j'ai enlevé sa femelle tantôt. Fait que là, hein? L'entendez-vous? Je peux pas mettre ça là. Ça ressemble un peu trop à ça. On va le couper. J'ai essayé de couper droite. Oui, le kit, il est vraiment trippant à faire. Ben, en fait, j'avais le kit. J'ai mis en kit. À vendre, Corinne, mais oui, il est super le fun à faire. Donc,
Tu sais, là, pour faire... Je viens-tu de me barrer live? Pour faire du Project Live, là, prend pas grand-chose, hein? Des retards de papier, on est heureux, on est content, puis la vie va bien. Là, je suis avec mon petit tape que j'avais tout à l'heure. Puis... je vais venir m'amuser comme ça. C'est sûr que j'ai pas fait de vacances. Fait que là, je peux pas mettre de vacances là-dedans. On pourrait utiliser des découpes déjà faites. J'en ai-tu? J'ai-tu une boîte? Je pense que oui, j'ai une petite boîte de découpes. Es-tu proche? Es-tu pas proche? Je pense que si je tire pas tout à terre, on va y arriver. Ça peut être aussi, là, je vois qu'il traîne, mais des étiquettes scrap fumon, là, ça fitrait là-dessus. Des petits cœurs, là, j'ai pas la bonne couleur, mais des petits cœurs fitraient aussi. C'est pas trop épais. Du chipboard, on pourrait en avoir. Même, tu sais, des fleurs de même, là, en résine, mais pas trop. Pas trop, pas trop. Des badges, un peu, j'en ai déjà mis. Les die-cuts. Mais là, c'était des découpes que je voulais déjà faites. J'ai ça dans une petite boîte, des vieilles découpes lime citron. J'ai tout garoché. Oups! Tu sais, dans le fond, là... un feuillage qu'on peut... Ah, oh, il fit en plus. Regarde, tu vois? C'était tout pensé. Bon, finalement, c'est pas vrai qu'ils sont plus calmes quand mon chum est là. Donc, tu sais, si vous avez des retails là, de découpe, là, c'est le bon moment. Des petites étiquettes, là. C'est sûr que lui, il est or. J'y mettrais moins du or, là. Mais c'est une bonne façon de passer des découpes. Petite fleur, déjà étampée. Fait que, en tout cas, c'est le moment. Hey, sérieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent, de me répondre tranquillement. Ils jouent. Ah, c'est or, j'aime pas ça. Mais en tout cas, bref, fait tout, tu sais, ma petite boîte à... Oh, j'aime mieux elle. Une petite boîte à découpe, c'est parfait, parfait, parfait pour ça. OK, improvisation. Je le savais même pas. C'est sûr que je prendrai pas Joyeux Noël. Ça pourrait être Joyeux Voyage, mais avec un S, ça fait bizarre. Ça doit être... Puis, ouais, des petites étiquettes de même, Alexandra, là, elle aime au bout de ça, découper ça. Bon, je m'en mets une coupe, là, de côté, puis... dans ma petite boîte. C'était Joyeux Noël, je pense. Oh, on va y mettre dans la joie, hein? Vous pensez que c'est pour moi, ça? Ça m'étonne que je trouve ça dans ma petite boîte. en fait, ça dépend de c'est où, mais pour le kit environ, là, ça... c'est droit... parce que du moment que c'est des 12-12, là, ça prend... ça prend l'allure d'un colis rapidement, puis ça revient à, mettons, je dirais 13 à 15 $. C'est ça qui est cher. Post-Canada n'est pas très sympathique avec les papiers 12-12. Bon, je pense que j'en ai en masse, hein? Pour vous rajouter ça. Attends, on va tasser ça là. Je sais pas ce que mon chum fait, c'est louche. Il flush la toilette. Mmh. C'est vraiment intéressant durant un live, Fred. Oh, ces hommes. Hein? Ça fait plaisir. Il dit que ça lui fait plaisir de vous faire du bruit. Il est vraiment agréable, hein? En tout cas. J'ai même eu celle-là, on dirait, hein? Voilà. Oups, you, mon dans la joie. Et là. Hein? C'est pas parfait, merveilleux de même. C'est facile, hein, faire du Project Live?
trouvez-vous? C'est si simple, la vie. Puis là, j'ai d'autres trucs à ajouter. Fait que là, on va en coller. Celle-là serait faite. Hein, sérieux. N'achetez pas de chat dans la vie. Ça se bat. Fred, peux-tu les séparer? Il était plus occupé à venir flusher à la toilette que s'occuper des animaux. Oh, cet homme! Si merveilleux et si... comme sa blonde. TDAH. Hein, sérieux? Je vous dis, Hope est à vendre dans pas long. Elle est tout le temps après. Voilà. J'aime moins celui-là. Ça va vite hein, quand on s'enligne. Quand je suis concentrée, j'ai pas regardé, il était quelle heure. Là, dites-moi les dons. Il est quelle heure? J'ai peut-être encore le temps. Je pense que oui. Je pense que oui. Vous êtes encore toutes là. Vous n'êtes pas tannées de m'entendre. C'est bon signe. J'avais sorti beaucoup trop de petites découpes. Ah, ça va bien. Ça va bien. J'ai commencé à 7h30. Puis là, je veux rajouter les petits bois de venir. Ça vous donne ça un peu d'idée à quoi faire, comment passer vos retailles? J'espère que oui. J'espère que ça vous aide. Ça, je voulais faire un petit quelque chose avec ça. Vous n'avez pas toutes la même heure, hein? En tout cas, juste de même, là. Je vois ça, là. Je pense que vous devriez appeler votre horloge. Frédéric? Fred? Oui? Peux-tu t'occuper du chien? Je suis en train de ramasser les escarins. Hein? En train de ramasser la tornade haute. Oui, je sais, sauf qu'elle veut manger l'autre. Ah, bon, c'est correct. Fait que c'est le chat qui aime ça, ça a l'air, désolé. OK. Bon, ben, coudonc. Fait que j'ai un chat qui veut absolument être avec mon chien. Fait que je vais arrêter d'accuser mon chum, je vais être smart avec. Voilà, là, celle-là qui aime bien les die-cuts, pas les die-cuts, mais les petits dots, je sors pas mes nouveaux, je les ai pas shakés. C'est le moment de les utiliser. Oui, j'ai un pet shop. Je pourrais vendre des... Non, j'en vends déjà des animaux. J'en ai beaucoup d'animaux. En fait, j'ai 9 chats, 2 chiens en ce moment. Martine, mais j'en vais avoir 13 chats, 2 chiens. Fait que c'est ça le bruit. Pauvre petite. Fait qu'en fait, là, ce qui se passe, là, c'est que... Merci, Martine. Le chat doit être comme, tu sais, est très enceinte. Elle doit vouloir
Si ça arrive hein, quand un chat est enceinte, qu'on dirait qu'elle est en chaleur, ben elle doit se coller au chien, puis c'est ce qui arrive. Fait que ça fait du bruit pour rien. Fait que ça, je voulais l'utiliser. Je pense que je vais l'utiliser là. Comme ça, mais je vais le peinturer. C'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Je vais aller me chercher une petite peinture noire. Oh. Au lieu de prendre noir, je vais prendre graphite. Petite peinture métallique qui se rouvre pas facilement. Je pense qu'elle est neuve. C'est assez le fun. Salut Francine! C'est assez le fun, Diane, du Project Life, là. Ben, de même. Mais il y en a qui aiment ça, là, parler de leur truc, là. Puis, tu sais, j'aurais pu le faire sur une photo, coudonc. Ça va prendre 4 jours le temps que je rouvre ça. Mais, c'est ça, moi, j'aime bien faire du mix média un peu dans tout. Fait que voilà. Donc, la peinture, j'ai pris la graphite. C'est la métallique de Fabrica Décoré, mais vous pourriez prendre celle de Finabert. Ça sèche super vite. Puis, je suis venue faire un petit côté gris, parce qu'il y a du gris un peu. Ça va être elle que je vais utiliser pour faire des gouttelettes tout à l'heure. Là, moi, j'ai dit je fais du Project Live, je ne me suis pas préparée de pot d'eau. En fait, est-ce que je me prépare des fois, moi? Je pense pas. Je te dis. Ah, ça va être magnifique, là. Puis on va faire des petites gouttelettes. Ici, il manque un petit quelque chose. Un appareil photo. Lui, il est comme trop gros. À moins que je le mette là, mais ça fera pas beau, ça va jurer. Sonia va être contente, Diane, hein, si tu fais du Project Live. C'est sûrement elle qui a liké ton truc. Je pense que j'aimais mieux lui, vous autres. Je pense que oui. Fait que je vais y aller avec la même couleur. Je me fais un petit moment de peinture. C'est pas trop long, hein? Peinturer ça. Ça va sécher un petit peu. Puis, je me ferai des gouttelettes tantôt. Je vais lui donner un petit coup de séchage. Puis, je vais coller. Puis, je pense qu'on serait rendu aux gouttelettes. Fait que, tu sais, avec le kit que vous avez pris, certaines filles, ben vous allez pouvoir faire du Project Live avec ou, dans le fond, ou une page. Ça va être à votre discrétion. Juste serrer mes magnifiques découpes. Ça fit pas. Mais, tu sais, si vous avez rien à faire des fois, là, puis vous voulez découper des affaires, là, regarde, c'est une bonne idée. Faire des petites étiquettes, faire des petites fleurs. Il y en avait qui étaient embossés, pas ceux-là. C'était avec... une encre, ben ça peut servir après. C'est ça qui est intéressant, d'avoir une boîte de plein d'affaires sur le bord. Ouais, comme un tableau de rêve, effectivement. Un jour, on va y aller en voyage. Tu sais, ça durera pas toute la vie, là, ce confinement-là. Ben j'espère que non. Parce que ben honnêtement, je suis pas très patiente d'être toujours avec mon chum. Je suis comique, hein? Regardez, elle est déjà sec, là, la peinture. C'est magnifique. C'est le fun. C'est joyeux. OK, je vais arrêter. J'ai peut-être pas pris la bonne colle pour que ça sèche, mais malgré qu'elle est rapide, fait que les kits, dans le fond, là, il me reste un bleu, deux roses,
Puis, 4 kits de mix média. C'est sûr qu'après ma soirée, je vais aller les mettre sur ma boutique en ligne. Mais, tu sais, sinon, vous pouvez me le dire, là, encore en message. Le kit rose, il est quand même intéressant. Il y a plein de pages comme ça, noir et blanc aussi, qu'on peut utiliser en petite dose. On aurait pu utiliser les petits mots aussi de lime citron. Je les ai mis souvent ces derniers temps. Fait que là, je voulais faire un peu changement. Mais pour faire nos titres en français, c'est une bonne idée d'utiliser ça. Avez-vous des questions? Il y a ça qui... Je me demandais c'était quoi qui revolait, qui faisait du bruit. Pas du bruit, voyons, qui faisait... Vous avez compris. Je vais faire des petites gouttelettes. Donc, je vais reprendre le même pinceau. Je prends ma peinture. Je mélange avec de l'eau. C'est pas le même pinceau que d'habitude. Ça va faire des gouttelettes moins... moins rondes. Je vais me couper des... Mettons, là, je suis à peu près. Mais vous ça quand je suis pas préparée de même, hein? Et c'est Cindy. Voilà, celle-là est un peu plus large. Donc, je vais me faire mes petites gouttelettes. Puis, je vais voir où j'en ajoute après. Donc, c'est faisable de faire du mix média en Project Live. J'aime moins ce pinceau. Vous savez, je le répète à chaque fois, la peinture, lorsqu'elle est séchée, même avec de l'eau, devient permanente, tandis qu'avec le spray, ben, ça devient moins permanent. Je vais aller mettre mon pinceau dans l'eau. Non, le matériel, ça vient pas tout de Fabrica. Au contraire, il n'y a absolument rien de Fabrica à part la peinture en ce moment, Martine. Je vais sécher un petit peu, ça sèche vite, puis après ça, je vais venir me faire des gouttelettes blanches. En fait, Martine, il y a énormément de matériel dans ma salle, fait que c'est pas juste du Fabrica décoré que j'ai. J'en ai beaucoup. Fait que là, avant de mettre le gesso, j'aime bien mon crayon. Je vous l'ai montré cette semaine. Je le retrouve. Sharp pour venir faire du bariolage sur les photos. Et on peut utiliser un gelato, mais il marque moins vite. Donc, moi j'aime bien lui. C'est Craft Décor. Il y en avait chez Tendance avant. Il y en avait même chez Dollar ou deux. Fait que c'est à vous de... Je sais pas dans votre coin, là, c'est quoi, mais... moi, j'aime bien utiliser ça pour barioler mes trucs. Je vais aller voir si j'aurais pas un petit dot. Là, je vais prendre celui de Fabrica Décoru. Le crayon, c'est Viva Craft Décor Choc. Mais c'est comme un crayon craie. J'ai déjà utilisé sur de la peinture à craie, puis il repart pas très vite. Donc, j'y vais avec des dots roses. Ça, c'est environ une heure à sécher. Deux pour être sûr. C'est bien, c'est comme les nouveaux, hein, c'est juste que c'est Fabrica qui fait cette sorte-là.
Donc, est-ce que c'est possible de voir... je l'ai montré l'autre fois. Mais là, en ce moment... j'ai quand même l'orgueil, hein. Joanne, j'ai montré dans un des lives. Sinon, sur YouTube, je l'ai quand elle était à Lourdes. Ça aussi, c'est bon. Mon gesso, le bouchon est fermé, les filles. Je vais venir m'en mettre ici. Vous allez voir la texture, là, c'est du vieux gesso. Fait que c'est sûr qu'elle est moins belle. Ah, il est pas si fait. J'avais du jus dans le bras. Puis là, je vais venir faire encore des petites gouttelettes blanches. Ça va quand même donner une harmonie à tout ça. Là, je l'ai mis sur la photo, ça ne me dérange pas, c'est ses bords. Voilà, je vais aller porter encore mon pinceau dans l'eau qui est loin. On aurait pu prendre les résistibles si vous avez des peaux neufs. Hey, by the way, j'ai fait le test hein, l'autre fois, puis oui, on peut faire des commandes de groupe. Qu'est-ce que tu veux dire pour Fabrica, Martine? Ben en fait, je sais pas s'il y a des gens de Gatineau, mais sinon, je commande puis je vous le ship, là, ça me fait plaisir. Ouais, dans le fond, les résistibles, j'ai remis de l'eau dedans, dans le blanc, puis ça a pas fait l'effet escompté. Dans le noir, un peu plus. Mais j'ai l'impression qu'il était pas complètement sec, mon noir. Fait qu'irrésistible, ça se ressuscite pas ben. Fait que ça va être à placer dans mon album. On aurait pu continuer, on aurait pu rajouter plein d'affaires. Mais voici pour ce soir mon Project Life. Voilà, mais Martine, tu peux regarder, je sais pas s'il y a des gens de Gatineau. Mais si vous êtes de Gatineau, regardez avec Martine pour... commander Fabrica directement, elle aimerait faire une commande de groupe. C'est bon? Voilà. Dans le fond, ce que je disais, Fabrica décorée, là, moi, je l'ai fait pour vous faire plaisir. Commandez chez moi, puis ça me fait plaisir si vous allez dans les boutiques qui en vendent, hein, parce que moi, ma vie est pas de donner compétition aux boutiques. Au contraire, c'est par plaisir, puis pour vous l'offrir si vous le voulez. Sérieux, je suis tannée de l'entendre beugler. Donc, le prix qui va être tiré avec ce live-là, ça va être ceci, des cartes de Project Life, je suis concept, hein? Des petites étiquettes qui peuvent fitter dedans. Sont déjà coupées, sont vraiment intéressants. C'était Heidi Swap qui avait fait ça. Donc, ça va être le tirage. Je vais le poster bientôt sur ma page. Voilà, hey, merci. Puis Sonia, envoie-moi en privé ce que tu as réussi à faire. Et je vous rappelle qu'il me reste un kit bleu, deux kits roses et quatre kits mix média si vous avez le goût. Venez me parler en privé, je vais avoir le temps pour vous. Salut, bonne soirée, gang!